Mon enfant bien-aimé, tout arrive pour une raison. Je suis parfait en toutes choses. Alors ne doute pas lorsque je dis que les choses tourneront en ta faveur. Ne perds pas courage. Continue d'apprendre de mes paroles chaque jour, car elles contiennent des promesses puissantes. À travers elles, tu trouveras la paix, la force et le courage. N'aie pas peur, car je contrôle le voyage de ta vie. Je travaille à enlever les obstacles de ton chemin et à dissiper les conflits. Cependant, mon plan n'est pas de rendre les choses trop faciles, car des défis viendront. Accroche-toi à mes promesses. Elles t'aideront à endurer ces épreuves et te conduiront aux bénédictions que j'ai préparées pour toi. Tes efforts seront récompensés. Chaque pas que tu fais vers la sagesse sera béni et multiplié. Même si tes ennemis complotent contre toi, ne vacille pas dans ta foi en mes paroles. Reste ferme, sachant que mes anges veillent sur toi. Ma présence t'entoure et je te protège, toi et ta famille. Sois patient avec ceux qui t'irritent. Ne garde pas de ressentiment, car cela nuit à ton esprit et affaiblit ta foi. Même si tu as fait face à des injustices et manqué des opportunités, souviens-toi que mon amour pour toi est profond. Ceux qui t'ont fait du tort seront confus, et par ton pardon, ils pourraient retrouver leur chemin. Je promets de compenser ce que tu as perdu. Prépare-toi à voir le changement chez ceux qui t'ont blessé. Ne t'inquiète pas pour ceux qui font le mal. Concentre-toi plutôt sur le renforcement des liens familiaux et la gestion de tes finances. Passe du temps en prière et réfléchis à mes enseignements. Évite de gaspiller ton énergie sur des choses inutiles, car les défis que je permets peuvent être surmontés en croyant en mes promesses. La victoire est certaine pour ceux qui me font confiance et abordent chaque jour avec courage et foi. Ton succès commence chaque matin par la prière que tu m'offres. Je connais tes luttes et tes moments de doute, mais laisse aller ces pensées et plonge profondément dans mes paroles. En des temps difficiles, je te guiderai, élèverai ton esprit et renforcerai ta foi. Mes promesses seront gravées dans ton cœur, servant de pilier pendant les tempêtes de la vie. Reste connecté à moi, car ensemble nous sommes invincibles. Je ne te quitterai jamais. Souviens-toi toujours que tu es aimé et béni, et attends-toi aux bonnes choses à venir. Un grand miracle est en route, bien plus grand que tout ce que tu as demandé. Fais confiance à mon contrôle, car je nourrirai ta croissance au milieu de la pénurie et du doute. Tes défis se transformeront en victoire, montrant ta foi forte et ta résilience. Même lorsque la route devant toi est incertaine, fais-moi confiance, car moi seul tiens ton avenir. Peu importe à quel point tu te sens bas, ma main est toujours là pour te relever. Même si je semble silencieux, je suis toujours avec toi. Mon bras fort te soutiendra jusqu'à ce que tu réussisses. Le moment est venu. Saisis-le et agis. Alors que le monde se lasse d'entendre parler de pénuries et de peurs de guerre, tu vis sous ma protection. Toi et ta famille êtes toujours bénis par moi. Si je te dis de marcher, marche. Si je te dis de te lever, lève-toi. Si je dis que tu es victorieux, crois ce que je te dis. Ne reste pas coincé en pensant aux erreurs et péchés d'hier,
car tout cela appartient au passé. Vois, j'ai complètement changé ta vie. Tu n'es plus la même personne. Ton avenir est en sécurité dans mes mains. Dans ma présence, je veillerai sur toi. Je t'encourage à prier chaque jour et à me chercher avec joie et foi. Peu importe comment tu te sens, si un jour tu te réveilles inquiet et que des doutes obscurcissent ton esprit, viens à moi quand même. Je t'aime tel que tu es et je veux que tu fasses ce pas de foi vers moi. N'aie pas peur, car je suis là pour t'aider. Je t'ai entendu ce matin, je t'ai entendu hier. Même si tes mots sont peu nombreux, c'est ta sincérité et tes intentions qui comptent vraiment pour moi. Souviens-toi que je t'ai dit qu'une foi aussi petite qu'une graine de moutarde suffisait pour que tes prières soient entendues au ciel. De là, je t'envoie du réconfort et je te montre mon amour. Je sais ce dont tu as besoin et je pourvoirai selon ma volonté. Toutes mes réponses sont pour ton bien. Toi et ta famille êtes destinés à prospérer. Vous serez grandement bénis et vivrez en ma présence pour toujours. Je suis pleinement conscient de tes besoins et je me soucie vraiment de tes sentiments. Je t'offre ma paix. Accepte-la avec foi, car le monde ne peut pas te donner la paix de l'esprit que je fournis. Je t'ai entendu lorsque tu as dit que tu avais besoin de moi, et j'ai accueilli tes paroles. Adore-moi en ma présence. Ma réponse est en chemin. Attends-la, accueille-la, et célèbre le miracle que je vais accomplir en toi aujourd'hui. Je ne veux pas que tu t'inquiètes ou te décourages davantage. J'entends toutes tes prières. Je suis en train de tracer un chemin à travers le désert et de mon trône coule une rivière puissante qui emporte tous tes soucis, laissant ton âme purifiée, calme et paisible, prête à être remplie de foi, d'espoir et de tranquillité. Arrête de laisser ces pensées répétitives marteler les murs de ton esprit. Laisse-moi entrer dans ces coins où se cachent des souvenirs oppressants et tristes. Je suis le Seigneur, ton Sauveur. J'ai pardonné tes erreurs. Alors tu ne devrais pas te tourmenter avec des doutes et des auto-accusations. Si tu m'aimes vraiment et crois en moi, arrête de penser qu'il n'y a pas de solution à tes problèmes. Je ne veux pas que tu vives dans la tension et la détresse. Ce n'est pas mon désir que tu passes tes journées la tête baissée, sans la foi de lever les yeux vers le ciel. Aujourd'hui, je veux que tu sois libre de toutes tes préoccupations. Bien que tu vives dans un monde rempli de douleurs, tu as été choisi pour un moment comme celui-ci. Tu es né au bon endroit et, peu importe la difficulté de ton parcours, tout cela fait partie de mon plan. Que ce jour soit celui où ta foi est ravivée. Grâce à ce que tu as traversé, tu as acquis l'humilité nécessaire pour accepter la sagesse et les bénédictions que je suis prêt à te donner. Souviens-toi que ta famille est plus précieuse que ta richesse, ou même ton propre avenir. Traite-toi avec patience et gentillesse. N'insiste pas pour être parfait. Cela ne fait que créer des barrières et conduire à la confusion. Tout le monde pêche, mais souviens-toi que tu m'as moi. Lorsque tu t'écartes de mes enseignements et laisses tes émotions te conduire à des actions que tu regrettes, sache qu'il y a pardon et grâce pour ceux qui regrettent vraiment leur tort et souhaitent changer. Chaque aube apporte une nouvelle opportunité et des miséricordes fraîches que je te livrerai de mes propres mains. Je viendrai moi-même frapper à ta fenêtre et te réveillerai.
j'illuminerai ton visage d'un rayon de lumière sainte et blanche, et je révélerai à ton âme cet amour merveilleux que j'ai pour toi. Il est temps de me faire confiance et de tenir bon. Tu as un destin à accomplir, un but à servir, un rêve à poursuivre et une famille à chérir. Je demande seulement ton respect et ta loyauté. Ton cœur m'appartient, mais tu dois prendre ton voyage vers la liberté au sérieux. Je t'ai donné la vie, pas pour la gaspiller en étant emporté par des courants qui te heurtent contre des vagues dures. Ne fais pas aveuglément confiance à ces amis de circonstance qui te soulèvent seulement pour te laisser tomber lorsque tu as le plus besoin de soutien. Recommence à zéro et n'aie pas peur d'être seul. Accroche-toi à mon amour et à mes soins. Donne-moi ta foi simple et enfantine et fais confiance en mon véritable amour pour toi. Je veille toujours sur toi et tu n'es jamais seul. La victoire sera tienne face à tes défis. Je te donnerai la santé quand tu es à terre, te remplissant de force et d'endurance pour continuer. Permets-toi d'être aimé, n'aie pas peur. Laisse partir ceux qui ne te soutiennent pas et ne supplie personne de rester. Je serai là pour toi lors de ces soirées solitaires où tu as juste besoin de réconfort, d'un compagnon, de quelqu'un pour écouter, de quelqu'un qui comprend et ne juge pas. Je te fournirai ce dont tu as besoin quand tu viendras à moi sincèrement et humblement. Fais-le non seulement parce que je le demande, mais parce que tu m'aimes. Montre ta dévotion et ta loyauté de cette manière. Je ne juge pas tes actions par leur apparence extérieure. Personne ne peut m'impressionner avec une fausse dévotion. Je ne prête pas attention à ceux qui prétendent m'aimer en public, mais parle mal de mes fidèles en privé. Je récompenserai ta loyauté, ta foi, ton engagement, et répondrai à tes prières lorsque tu viendras à moi avec un cœur sincère. Comme tu as vu à quel point je t'aime profondément, il n'y a rien de plus à dire. Tes peurs prennent fin aujourd'hui. Je renforce tes croyances. Tu ne t'inquiéteras plus. Tu marcheras main dans la main avec moi vers la victoire. Ton cœur en paix. Ton âme chérie par mon amour est baignée dans ma paix. C'est ainsi que cela a été, que cela est et que cela sera toujours. Les paroles que tu entends maintenant ne t'ont pas trouvé par accident. Avec moi à tes côtés, tu ne connaîtras ni défaite ni échec. Nous traverserons ensemble les moments difficiles. Les jours de défi, je te tiendrai doucement et renforcerai ton âme avec des paroles aimantes. Ta vie et ta situation sont importantes pour moi. Comme je te l'ai souvent rappelé, tu vis dans un monde rempli de troubles. Cependant, j'ai surmonté ces troubles par mon sacrifice sur la croix et ma résurrection. Je veux partager ce pouvoir avec toi, te remplir d'un sens de l'eau vive qui coule sans cesse en toi, étanchant ta soif, lavant tes chagrins et donnant force et courage à ton esprit fatigué. Cherche toujours ma présence, que ce soit le matin ou la nuit, dans les moments difficiles ou prospères, en abondance ou en besoin. Quelle que soit ta situation, tu n'as pas été vaincu. Ce n'est pas ton destin de renoncer et de perdre toutes les bénédictions que tu as accumulées sur ton chemin. Après la tempête vient le calme. Les vagues peuvent rugir et se déchaîner, mais la mer s'apaise au son de ma voix. Tout comme tu entends ma voix, tu peux aussi ressentir cette paix, un cadeau de mon amour. Embrasse-la, ne la repousse pas.
Ne mets pas de côté cet amour juste parce que tu te sens indigne. Comprends que chaque jour, il y a une bataille spirituelle. L'ennemi essaie de te secouer et de te briser. Mais souviens-toi que tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je te demande seulement une petite mesure de ta foi. Décide maintenant de croire, d'accepter cet amour éternel qui te suit partout, te protégeant lorsque l'ennemi attaque. La vie peut changer en un instant. Tu as le droit de pleurer et de ressentir du chagrin. C'est sain pour ton âme de te débarrasser de ceux qui te pèsent, permettant ainsi à la guérison de se produire. Cependant, ne crois jamais que tu resteras coincé dans la douleur pour toujours, ou que la tristesse qui t'accable ne cessera jamais, ou que tu es condamné à une défaite perpétuelle. Ceux qui prétendent être tes amis peuvent essayer de te maintenir à terre, te faisant peur de te lever et de te battre. Mais je suis venu pour que tu aies la vie, pour t'encourager à lever les yeux et à me tendre la main. Mon but est de te remplir d'une joie sans bornes et d'un courage inébranlable. Je comprends ce que tu ressens parfois. Il semble qu'il n'y ait aucune raison de continuer à te battre. Cela pourrait sembler plus facile de simplement abandonner, de t'asseoir et d'attendre la fin. Mais je t'aime. J'ai un objectif significatif pour toi et ta famille. Tu ne dois pas abandonner. Ne laisse pas tomber tes bénédictions. Ne retourne pas à un état de désespoir. Ce n'est pas ce que je veux pour toi. Je suis venu pour t'apporter une vie remplie d'abondance et d'une force extraordinaire. Tes sentiments ou ce que les autres disent de toi ne doivent pas définir ta réalité. Écoute-moi clairement. J'imprime ces mots sur ton cœur et tu te les rappelleras chaque jour. Peu importe ce qui arrive, peu importe les défis, mon amour pour toi grandit plus fort chaque minute. Ne laisse pas ton cœur être accablé par des émotions douloureuses. Ne t'isole pas en pensant que tu es seul, que personne ne se soucie de toi ou ne comprend ta douleur. Je veux entendre ce que tu as à dire. Si tu ne me vois pas comme ton ami ou si tu veux que je te laisse en paix, sois courageux et dis-le. Mais sache ceci, peu importe ce que tu penses, je ne partirai pas. Même si tu me repousses de ta vie, je resterai. J'ouvre mes bras pour toi, même si tu te détournes de moi. Ma loyauté est éternelle et inébranlable. Ma décision de t'aimer est ferme, te parlant chaque jour de cette affection sincère jusqu'à ce que tu la ressentes profondément dans ton cœur. Et je sais qu'aujourd'hui tu commences déjà à la ressentir. Je te guéris et te revitalise, remplissant ton âme de joie et te donnant de la force pendant les moments difficiles. Je comprends parfaitement tes sentiments et ceux que tu as traversés. Personne ne te connaît mieux que moi. Je suis familier avec tes débuts et je sais jusqu'où tu es arrivé. Viens à moi et je te montrerai des choses au-delà de ton imagination dans cette vie. Sois audacieux dans ta foi, car je veux accomplir des miracles en toi et dans ta famille. Attends-toi à voir le surnaturel. Je commencerai par t'émerveiller avec des choses simples, t'aidant à t'ajuster progressivement à un niveau spirituel que tu n'as jamais connu auparavant. C'est le chemin des miracles que tu es destiné à emprunter. Tu entres dans une nouvelle chance éternelle. Ton destin se déploie sur ce chemin. Fais confiance à ma parole écrite dans les Écritures plutôt qu'à tes émotions ou à ce que tu vois autour de toi. Je te guiderai vers la grandeur. Mais sois patient car je te ferai savoir le moment exact où les bénédictions afflueront abondamment dans ta vie. Ne sois pas comme ceux qui abandonnent trop vite l'attente
et essaient de créer leurs propres miracles, proférant des mensonges juste pour obtenir des applaudissements. Ils finissent par tomber dans le péché, deviennent découragés et perdent leur foi. Au lieu de cela, je te façonne pour que tu deviennes un instrument divin de grâce, capable de satisfaire le profond désir d'amour que beaucoup ressentent. Je t'encourage à passer ton temps à bénir les autres, car à chaque mot que tu prononces, je te bénirai grandement, augmentant ta force, faisant réussir tes efforts et ouvrant de nombreuses portes pour toi. Laisse-toi guider sur les chemins de la gloire. Je te fournirai tout ce dont tu as besoin pour propager fermement ma parole. Ainsi, même face aux défis, n'aie pas peur, car je te donnerai la force nécessaire pour les surmonter. Je suis ton Dieu, tenant ta main tandis que tu avances, m'assurant que tu reçois les bénédictions que j'ai préparées pour toi. Ne t'attarde pas sur ton passé. J'ai pardonné toutes tes erreurs. Et aujourd'hui, tu as la chance de suivre mes chemins, béni et rempli de grâce. Ne te laisse pas troubler par de vieilles émotions, ni ne languis pour les erreurs et pièges du passé. Je suis avec toi maintenant et pour toujours. Tu réussiras en suivant ma volonté, même si tes ennemis prédisent ton échec. Ton destin est fixé, et personne ne peut le changer. Je le déclare et l'affirme. Tu prospéreras même dans le désert, sous mes promesses de bénédiction et de joie. Dans mes promesses écrites pour toi, tu trouveras tout ce dont tu as besoin, guidé par la sagesse céleste. Tiens fermement à mes paroles. Laisse-les te guider jour et nuit, à travers la lumière et l'obscurité, et vois comme les choses se passent bien pour toi. Alors sois patient. Laisse le temps passer, mais ne perds jamais la foi en moi. Résiste au péché et surmonte tes ennemis, mais ne te détourne pas de mon amour. Les moments difficiles passeront, et après ces luttes, je te bénirai avec joie et paix. Embrasse-les, car tu en es digne. Il est temps pour toi de profiter des fruits de ton travail. Je ne te quitterai jamais, même quand tout semble être contre toi. Avance avec confiance, car je mènerai tes batailles et assurerai ta victoire dans tous les domaines. Je suis ton Dieu, ton Sauveur qui t'aime et te protège toujours. Même dans les moments de faiblesse et d'échec, ma grâce te couvrira. Souviens-toi que tout, ce que tu demandes sincèrement, je te l'accorderai. Je t'ai toujours entendu, alors sois assuré. Je m'adresse à tes doutes, réaffirmant mon amour pour toi et promettant de ne jamais te quitter. Je le répète encore et encore, gravant ces mots dans ton esprit pour que tu ne les oublies jamais. Les distractions dans ce monde sont nombreuses, mais je promets de garder ma parole toujours devant toi. Ne perds pas espoir. Tiens fermement à mon amour pour toi. Lève-toi et marche, car je suis à tes côtés. Donne-moi ta tristesse et ta frustration. Abandonne ces sentiments de vouloir tout abandonner. Dépose à mes pieds toutes ces pensées qui te font te sentir sans valeur. Je veux que tu fasses l'expérience de l'amour véritable, que tu réalises que quelqu'un t'aime avec une affection sincère et profonde, un amour comme nul autre. Continue à prier. Je te veux ici avec moi.
tu es en sécurité sous ma sainte protection. Le désespoir qui t'attaque essaie de t'éloigner, de t'arracher à mon étreinte et de te traîner à travers un désert désolé. Mais ce n'est pas ton destin. Ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Par conséquent, je parle pour élever ton esprit, pour te donner la paix, pour apaiser ton anxiété et pour fournir la force dont tu as désespérément besoin. Acceptes-tu mon amour, même si tu essaies de t'éloigner et que l'ennemi tente de te tirer de mon étreinte, sache que je ne te laisserai pas errer loin. Où que tu ailles, je serai là avec toi, te tenant par la main et te guidant vers moi. L'ennemi essaiera de te convaincre que tu es seul, abandonné par moi à cause de tes défauts. Mais ce n'est pas vrai. Je ne te quitterai ni ne t'abandonnerai jamais. Rien ne peut te séparer de mon amour, ni la honte, ni le rejet, ni l'échec, ni la condamnation. Je t'aime d'un amour constant et inoubliable. Tu le sais déjà. Je te le rappelle encore. L'affirmant avec mes paroles, le déclarant d'un cœur enflammé par la flamme éternelle de mon amour. Je t'insuffle la volonté de vivre malgré les défis et les adversités accablantes que tu affrontes. À partir d'aujourd'hui, tout changera. Tu ne seras plus le même, car tu m'as laissé entrer dans ton cœur. Tu subis une transformation complète en toi-même, laissant derrière toi le passé et la négativité. Tout ce qui te causait du tort a maintenant disparu au loin. Aujourd'hui, tu renais. Il y a la vie éternelle à mes côtés, et mon Esprit Saint te remplit, te donnant la force nécessaire pour naviguer dans ce monde. Quand tu sens un feu s'allumer dans ton âme, tes lèvres éclateront en louanges. Tu comprendras alors l'étendue de ma puissance. Je prendrai tes mains et te soulèverai à des hauteurs que tu n'as jamais imaginées. Tes lèvres résonneront de chants joyeux et tous les fardeaux qui te pèsent disparaîtront. Tu te verras comme je te vois, une personne exceptionnelle. Tu n'es pas comme ceux qui hésitent à croire en mes paroles, se réveillant dans l'obscurité plutôt que d'embrasser la lumière du jour, se sentant abandonnés par leurs propres décisions. Ils se sont détournés de mon amour et de mes soins, pensant qu'ils doivent être parfaits pour mériter ma grâce. Ce que je demande, c'est une foi simple et honnête. Si certains essaient de voler ta joie, ne les fréquente pas, n'accepte pas leurs cadeaux et ne cherche pas leur amitié. Entoure-toi de personnes qui te valorisent et t'élèvent, qui ne tentent pas de contrôler ta vie ou de s'ingérer dans tes affaires personnelles. Ne laisse pas l'ennemi te piéger. Rejette toute parole de défaite ou de manque de respect. Choisis des amis qui te respectent, qui ne se mêlent pas de tes affaires, ni ne répandent des rumeurs sur les autres. Bénis ceux qui te soutiennent sincèrement, sans attendre d'argent en retour de leur amitié. Ton parcours de foi est une affaire personnelle entre toi et moi. Je suis impatient de communiquer avec toi et de te dévoiler mes plans. Si tu désires approfondir ta connaissance de moi, viens me rencontrer le matin. Consacre du temps à moi pendant que les autres dorment. Présente-moi tes prières et écoute attentivement les paroles que je partage avec toi chaque jour. Fais-moi confiance et je répondrai de diverses manières, enrichissant ta vie et celle de ta famille. Je me ferai connaître de toi. Appelle-moi et je te montrerai des choses merveilleuses et puissantes dans des rêves et des visions. Je me prépare à te faire accéder à un royaume
où les occurrences surnaturelles sont fréquentes. Embrasse et répands ces paroles avec foi, et de vastes bénédictions t'envelopperont. Ne perds pas courage, détends-toi et crois vraiment que je ne fais pas d'erreur. Je transformerai tous les défis que tu rencontres en bénédictions qui t'apporteront paix, provision, abondance et sérénité. Ne t'inquiète pas, je te donnerai une plus grande patience. Laisse-moi m'occuper des choses autour de toi à ma manière. Agenouille-toi et prie. Demande ce dont tu as besoin. Mais après avoir prié, continue de marcher, de travailler et de te battre avec confiance, sachant que même si tu fais des erreurs, je te guiderai pour accomplir ma volonté dans ta vie. Je vois au plus profond de ton âme. Je te comprends. Ces moments ont été difficiles pour toi. Tes fardeaux sont lourds et tu te sens épuisé. Chaque matin, tu te réveilles avec l'envie d'abandonner. C'est pourquoi je suis ici, pour t'aider à discerner ce qu'il faut laisser tomber. Et quels rêves valent la peine d'être poursuivis? Ta mission dans cette vie n'est pas de plaire à tout le monde. En effet, bon nombre de tes bonnes décisions ont contrarié d'autres personnes. Mais les satisfaire ne devrait pas être ta priorité. Ce qui importe le plus, c'est ta relation avec moi et ta famille. Conserve ton énergie pour gérer tes journées et toutes les bénédictions que je te procure. Prie et travaille pour que ta famille ne manque de rien. Je bénirai ton travail, allégerai tes fardeaux, effacerai tes dettes et écarterai ceux qui te contredisent constamment. J'augmenterai ta sagesse et ta grâce, et ton sourire reviendra. Sois fort et courageux. Concentre-toi sur me plaire, et non sur satisfaire les attentes de ceux qui te critiquent et te dénigrent. Ils ne se soucient pas de toi, ne te soutiennent pas, et ne t'aident pas lorsque tu fais face à des problèmes. Si tu es triste, ils ne restent pas à tes côtés ni ne pleurent avec toi. Ils ne font que te rabaisser et t'attaquer. Et pourtant, tu accordes trop d'importance à leurs paroles. Ne te laisse pas perturber par ce que disent tes ennemis. Je réprimanderai leurs paroles moi-même. Ceux qui cherchent à te nuire nuisent en réalité à leurs propres âmes. Mais toi, pardonne-leur et ne garde pas de rancune. Ne fais pas attention à eux. Ne perds pas de temps à entretenir des sentiments qui nuisent à ton esprit et t'entraînent dans la souffrance et la dépression. Je veille toujours sur toi, écoutant chaque mot que tu dis. Je t'ai vu rire. Je connais chacun de tes rêves, objectifs, soucis et douleurs. Quand tu pries, je suis là avec toi, ressentant ton cœur, ta douleur, tes peines, et comprenant même ce que tu gardes pour toi par peur. Ta dévotion et tes efforts pour rester sur le bon chemin m'ont fait me tourner vers toi. Tu as mon attention. Maintenant, donne-moi un peu de ton temps et parlons de tout, ce qui habite tes pensées. Dis-moi les plans et les désirs de ton cœur. Je veux et peux t'aider à réaliser tes bons rêves. Je peux te donner la santé et te renforcer pour que tu puisses être une bénédiction pour les tiens. J'ai d'innombrables talents, bénédictions et ressources à ma disposition, visibles uniquement par perspicacité spirituelle. Si tu pouvais les voir, ton esprit s'élèverait à de nouveaux sommets, rempli d'une joie immense, et tu dirais au monde
que les miracles sont à portée de main pour ceux qui suivent sincèrement mes enseignements et acceptent mon amour avec un cœur ouvert. En vérité, j'ai de merveilleux dons qui t'attendent. Ne te décourage pas face aux défis. Montre-moi ta foi chaque jour, même lorsque la fatigue et les préoccupations semblent accablantes. N'aie pas peur. Continue de faire confiance. Tiens fermement à mes enseignements et poursuis mes promesses. Si tu sens tes forces faiblir, souviens-toi que je suis ici pour te donner de la fortitude mentale, du soutien émotionnel et le courage de continuer. Écoute attentivement mes paroles. Laisse-les couler en toi comme une mélodie. Alléger tes fardeaux. Murmurer de l'amour à ton âme et apaiser tes sentiments avec la touche de mon Saint-Esprit. Ce monde rempli de lâcheté cherche à t'assaillir, à piétiner ton avenir splendide. Mais tu prendras ma main et tiendras bon, car je ne te lâcherai pas. Peu importe les défis qui se présenteront, quoi qu'il puisse t'arriver, je serai à tes côtés, continuant de te parler si tu le souhaites. Je veux ton bien-être, que tu ne perdes pas courage, mais que tu te sentes aimé et protégé à chaque instant, sachant que mes anges gardiens entourent ta famille la nuit. Je ne fais pas d'erreur. Je comprends pleinement les fardeaux que tu portes. Tu portes les souvenirs cachés, les cris de désespoir dans ton esprit et ton désir de voir revenir la joie et la paix dans ton cœur. Partage ta douleur avec moi. Dis-moi chaque détail de ta souffrance. En le faisant, ton esprit commencera à guérir, dissipant la confusion dans tes émotions. Et ta joie et ta paix reviendront. Mets-toi à genoux, ouvre ton âme dans la prière et décharge-toi de tout. Je suis ici pour écouter et te guérir, sans jugement. Prends le temps de laisser aller chaque situation, problème et plainte que tu gardes si précieusement mais si fermement. Ne cache pas tes blessures. Libère-les une fois pour toutes et prépare-toi à profiter d'une nouvelle ère de joie immense que je prépare pour toi. Plus de larmes, plus de douleurs. Tu mérites le bonheur et la liberté que mon sacrifice a garanti. Observe tes rêves se réaliser, tes projets réussir, ta famille prospérer et les larmes de joie remplacer les souvenirs douloureux. Prends un moment, éloigne-toi de l'agitation, trouve un endroit calme et rejoins-moi. Embrasse ma grâce et savoure quelques instants de solitude avec moi. J'entends tes cris de désespoir et tes hurlements de désespoir. Mais aujourd'hui, je te montrerai le chemin du retour, le chemin de la victoire. Les obstacles sur ton chemin ne peuvent pas t'empêcher de remplir ton but et de recevoir des bénédictions abondantes. Cependant, tu dois me chercher avec passion, aiguiser ta conscience spirituelle et t'immerger dans mon amour pour surmonter les fardeaux qui t'affligent aujourd'hui. Prends une décision profonde. Fais-moi confiance avec tes luttes. Expose tes faiblesses et trouve refuge face à la tentation. Viens et allège ton fardeau. N'aie pas peur. Me donner un moment de ton temps ne te coûte rien et t'apporte de grands bénéfices. Ne passe pas un jour de plus dans le désespoir et la souffrance. Parle avec moi et donne-toi une chance de trouver la paix. Je ne t'ai pas créé pour vivre dans la dépression et la tristesse. J'ai sacrifié ma vie et ressuscité avec puissance pour que tu sois rempli de courage et de force.
toujours victorieux, baigné dans mon amour éternel. Tu as beaucoup de temps devant toi, et tu es destiné à le vivre dans le triomphe. Crois en mes paroles, et ma puissance se manifestera dans ta vie chaque jour. Tu es choisi pour être témoin de grands miracles, car j'ai écrit ton destin de ma propre main, et tu prospéreras là où d'autres échouent. Je te relèverai devant le peuple, témoignage de ma gloire. Marche dans la foi, travaille dur et ne cesse jamais de croire en mes promesses. Amen.